On se retrouve pour une vidéo où on va faire le point sur la DAO de Realty. Je vais tout vous réexpliquer pourquoi vous avez intérêt à vous intéresser à ce dossier qui est à la croisée de l'investissement, de la finance décentralisée et également de l'avenir de la politique et de la manière dont les gens peuvent s'organiser pour prendre des décisions efficacement. Je vous redonne le contexte. Vous avez une entreprise qui s'appelle Realty. Cette entreprise, j'investis grâce à elle depuis un moment, je crois que ça fait près de 3 ans. J'investis avec, ouais, ça fait plus de trois ans que j'investis avec Realty. Realty euh, achète des biens immobiliers aux États-Unis et au Panama. Ces biens immobiliers sont euh, cassés en fractions. Ces fractions sont vendues sur la marketplace de Realty et une part d'un bien vous donne droit à une part des loyers qui sont versés tous les lundis. Chaque bien qui est tokenisé par Realty dispose de sa propre identité juridique. Chaque bien qui est tokenisé par Realty dispose de son propre gestionnaire. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une partie des loyers qui est prélevé pour euh, assurer la gestion du bien. Donc la gestion du bien, ça veut dire payer toutes les charges qu'il faut payer, ça veut dire euh, payer les impôts, ça veut dire maintenir les biens en ordre quand il y a des travaux à faire et ça veut dire trouver de nouveaux locataires lorsque les locataires décident de partir et malgré tout ça on a un très bon rendement mon portefeuille chez Realty a un rendement global de 9,5% et Realty devient une partie importante de mon parcours vers la liberté financière autour de Realty vous avez différents outils vous avez un marché secondaire qui vous permet d'acheter des morceaux de biens hors marketplace de Realty et qui vous permet également de vendre des morceaux de biens si vous avez envie de récupérer du cash vous avez également une place de marché où vous pouvez déposer vos biens pour dégager du cash c'est à dire les hypothéquer et sur cette même place de marché vous pouvez également déposer du cash pour obtenir un rendement. Et puis vous avez également un bridge qui vous permet de transférer vos actifs Realty d'une blockchain à l'autre. Bref pour que Realty fonctionne vous avez tout un tas d'outils de finance décentralisés qui forment un écosystème. Cet écosystème va être amené à grandir avec de nouveaux outils au fur et à mesure et vous pouvez participer à la gestion de cet écosystème grâce à un token qui s'appelle le REG. Et ces REG vous pouvez maintenant les utiliser pour voter sur différentes propositions qui concernent la DAO et vous allez être récompensé pour ça on va revenir sur et l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment tout ceci fonctionne parce que si vous n'avez pas activement participé à ce premier tour de vote sachez qu'il va y avoir à partir de maintenant de nouvelles sessions de vote et si je fais ces vidéos c'est pour que vous soyez préparé pour les prochaines que vous ayez les connaissances nécessaires pour participer et, et bah, que vous puissiez vous impliquer dans ce projet parce qu'il y a plein de choses passionnantes qu'on va apprendre au fur et à mesure ça nous donnera des idées si on a envie nous-mêmes de créer des organisations de ce Type et ben bah voilà, et on récoltera un petit peu d'argent grâce au programme de récompense au fur et à mesure. Alors vous voyez qu'il y a ici une partie qui concerne la DAO, ça c'est les propositions sur lesquelles vous pouvez voter, et vous avez une partie qui s'appelle DAO Incentive. Je vous avais prévenu dans les vidéos précédentes que vous aviez intérêt à bloquer vos règles pour pouvoir participer à cette session de vote. Maintenant le verrouillage est terminé, et donc ça veut dire que vous allez avoir 6000 USDC qui vont être répartis entre à peu près 160 000 règles au cours de cette période de. De vote, c'est-à-dire qu'en gros chaque règle que vous avez déposé vous rapportera à la fin des 42 jours quelque chose entre 20 et 30 centimes, ce qui est pas mal du tout hein. vous déposez des règles que vous avez obtenues gratuitement et chacun de ces règles sur une période de 42 jours va vous rapporter quelque chose entre 20 et 30 centimes, donc on est sur un assez bon système, c'est un système qui va beaucoup évoluer parce qu'à ce stade il n'y a qu'une toute petite partie de la supply du règle qui a été diffusée et à la fin de cette première époque de vote il va y avoir beaucoup plus de règles qui seront distribuées et si vous avez été actif dans l'écosystème, vous participerez à cette distribution. Donc ça, c'est pour le système d'incitation à voter. Et à côté de ça, la DAO de Realty ressemble à ça. Vous voyez que vous avez trois propositions à l'heure actuelle. Vous avez une première proposition sur laquelle j'ai voté. Là, ça m'est égal si vous voyez pourquoi j'ai voté, mais peut-être qu'un jour, je, je masquerai ces informations. C'était une proposition qui visait à récompenser les personnes qui ont apporté l'effort initial pour rédiger les contrats, pour préparer cette plateforme, pour créer le wiki qui permet de comprendre comment fonctionne la DAO et donc ces personnes qui se sont investies. Vont être récompensés à hauteur de 500 règles chacune. Et il y a actuellement une proposition qui va bientôt être publiée. Et cette proposition, je vais la détailler un petit peu pour vous parce que derrière ça, il y a des mécanismes de finance décentralisées qui sont très intéressants. Et parler de ça, ça va nous permettre progressivement d'augmenter nos connaissances et nos compétences dans le domaine de la finance décentralisée. Et encore une fois, à ce stade, ça va peut-être vous paraître technique, complexe, abstrait. Mais prenez le train maintenant. Allez également regarder l'ensemble de la playlist sur cette chaîne que j'ai consacrée à Realty. Et vous allez voir que derrière ça, non seulement il y, a des, il y a des choses qui vous permettront de prendre de meilleures décisions financières avec vos cryptos, mais plus généralement, vous allez mieux comprendre comment fonctionne le monde de la finance. Et puis au-delà de ça, vous allez découvrir plein de nouveaux outils pour pouvoir créer de nouveaux types d'entreprises et également peut-être pour inventer de nouveaux types de mouvements politiques plus rentables. Alors, quelle est cette proposition C'est une proposition dont l'objectif est de préparer le moment où il va y avoir beaucoup plus de règles qui seront disponibles sur le marché. Donc, si vous regardez à l'heure actuelle... Vous vous avez un tout petit volume d'échange, hein. enfin c'est déjà beaucoup par rapport à ce que c'était au début, mais euh, ça c'est le volume d'échange du REG au cours des dernières 24 heures. Et c'est normal que vous ayez si peu de volume d'échange à ce stade, parce que encore une fois, il y a seulement une toute petite partie de la supply du REG qui a été euh, larguée. Et donc là, il va falloir préparer le moment où vous allez avoir beaucoup plus de règles qui vont arriver sur le marché. Et l'objectif de cette proposition, c'est de s'assurer que ça se passe bien. Alors, la première chose que vous devez comprendre pour savoir en quoi consiste cette proposition, vous devez savoir ce qu'est un pool de liquidité. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je le réexpliquer ici parce que c'est en fait je trouve que c'est intéressant. Et quand on s'intéresse un petit peu à la finance et à ce qu'est une monnaie, il faut réaliser les mécanismes qu'il y a derrière. Donc imaginons que vous ayez envie d'acheter du reg, vous allez aller par exemple, sur une plateforme comme Sushi Swap, vous allez échanger, je sais pas moi, du XDAI, de l'USDC, ce que vous voulez, en échange, vous obtiendrez du règle. Le pool de liquidité, c'est ce qui fait que vous pouvez acheter ou vendre votre règle sans que vous ayez au moment de la vente, bah, en face de vous, une personne qui a envie de faire le même échange que vous. La poule de liquidité, comme son nom l'indique, c'est un outil financier qui permet de mettre de la liquidité sur le marché, et c'est-à-dire que vous ayez toujours la possibilité de faire une transaction d'achat ou de vente. Comment ça marche bien vous avez la possibilité de participer à une poule de liquidité en tant qu'apporteur de liquidité c'est quelque chose que j'ai fait et que je fais de temps en temps et donc c'est à dire que dans une poule c'est à dire dans un panier commun et en vérité quand je dis panier commun vous devez comprendre smart contrat mais on reviendra un petit peu sur les smart contrats dans d'autres vidéos là j'ai pas envie de vous surcharger mais donc pour participer à une poule de liquidité vous déposez de l'argent dans un smart contrat vous allez déposer par exemple 50 dollars et 50 règles, ces dollars et ces règles vont être ajoutés à la poule de liquidité et ça fait que si une personne veut faire un échange, si une personne vient en disant moi j'ai envie d'acheter 50 règles, et eh bien ce qui va se passer c'est que ces dollars vont arriver dans la poule de liquidité, des règles vont sortir de cette poule de liquidité. Ça permet aux utilisateurs de vendre et d'acheter quand ils le souhaitent, mais ça va avoir aussi un impact sur le prix et c'est pour ça que la DAO de Realty veut intervenir parce qu'avec un si petit volume d'échange aujourd'hui, si vous arrivez dans une poule de liquidité en me disant je veux acheter 1000 règles ou je veux vendre 1000 règles, et eh bien vous risquez que votre ordre soit exécuté à un prix très différent de celui auquel vous vous attendiez parce que votre ordre va faire décaler le marché. Une fois qu'on a expliqué ce qu'était une poule de liquidité, on va aller un petit peu plus loin dans la complexité parce qu'il y a des poules de liquidité de plusieurs types qui fonctionnent de différentes manières. Vous avez des poules de liquidité où la liquidité va se répartir de façon uniforme, c'est-à-dire que si on décide de mettre 1000 dollars dans cette poule de liquidité, ces 1000 dollars vont être répartis sur l'ensemble des prix possibles. Mais ce que voudrait faire la DAO de Realty, c'est donc encore une fois d'apporter une grande quantité de liquidité par rapport à ce qu'il y avait avant pour anticiper un plus gros volume d'échange du reg, mais ils veulent apporter de la liquidité de façon stratégique dans une poule qu'on appelle de type version 3. Et vous voyez la manière dont ça va marcher, c'est qu'ils veulent répartir 100 000 reg entre, entre ce prix-là et ce prix-là. Donc on est sur un type de prix très large. Donc c'est pour s'assurer qu'il y aura de la liquidité, quel que soit en gros le prix auquel se conclut l'échange mais à côté de ça ils font certaines prévisions disons et vous voyez ici qu'il y a un assez bon espoir sur le fait que pas mal d'échanges du reg se feront entre 2,35 et 3,16 donc c'est à dire que plutôt que d'envoyer comme ça à l'aveugle euh, 200 000 règles dans une poule de liquidité l'objectif ça va être d'apporter de la liquidité sur différentes plages d'ordre possibles ça vous permet si vous voulez d'assurer de la liquidité en utilisant euh, moins d'argent parce que vous allez euh, concentrer l'argent à différents endroits où vous prévoyez que il y Aura un maximum d'échanges, on imagine que c'est peu probable que le REG vaille, je sais pas moi, deux cents, donc ça sert à rien de prédire des échanges autour de 2 cents. Donc autant concentrer la liquidité là où on a le plus de chances d'avoir des échanges. Et puis l'autre dimension de la stratégie de la DAO, j'imagine que l'objectif c'est en quelque sorte de vendre des règles, mais de façon stratégique. Parce que si vous arrivez sur le marché et que vous vendez 200 000 règles d'un coup, ça peut pas fonctionner. Alors que si vous faites quelque chose comme ça, et eh bien concrètement, vous allez avoir certains de vos règles qui vont se vendre à ce Là, d'autres de vos règles qui vont se vendre à ce prix-là, vu qu'il y a de la liquidité, ça permet de stabiliser le marché. Mais quand il y a des ventes, et eh bien ça veut dire que vous récupérez du stable coin et ces stable coins peuvent être réinjectés dans la trésorerie de la DAO, ce qui n'aurait pas été possible encore une fois si la DAO avait décidé de vendre d'un coup une grande quantité de règles. Donc en résumé, l'objectif de cette proposition, c'est de se préparer à un plus gros volume d'échange du REG. Pour ce faire, la DAO va injecter du REG sur le marché, mais elle va le faire de façon stratégique en les mettant à différents niveaux de prix dans une poule de liquidité et ils nous disent également à quelles conditions ils considéreront que l'intervention sera un succès si on voit une augmentation progressive, progressive, c'est-à-dire pas brutale du prix du REG, s'il y a plus de gens qui possèdent du REG dans leur portefeuille et si on voit également une augmentation du volume d'échange et si on veut ça il faut effectivement que des gens qui ont de plus grosses sommes à placer puissent le faire sans que ça décale les prix et c'est pour ça donc que la DAO prévoit de commencer à injecter du règle sur le marché voilà donc ce que je peux vous dire là dessus à ce stade je vous mets dans la description de cette vidéo les liens pertinents si vous voulez commencer à participer aux discussions et vous impliquer dans la DAO de Realty et pour ma part je vais continuer de me former sur le sujet de suivre ce qui se passe et de partager avec vous au fur et à mesure les choses que j'apprends ainsi que l'actualité de cette DAO et je vous rappelle pourquoi moi ça me passionne bah d'une part parce que je suis investisseur chez Realty et j'ai envie d'être partie prenante des outils qui permettent à Realty de bien fonctionner et par ailleurs parce qu'une organisation comme celle-là pour moi c'est l'avenir des entreprises mais pas seulement peut-être aussi l'avenir de la démocratie et bien voilà chers amis prenez bien soin de vous et à très vite